OK. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution technologique en RDC? Oui, nous voyons l'évolution technologique en RDC. Avant, on n'avait pas de bâtiments comme on a aujourd'hui, hein. On a l'immeuble intelligent, on a de ponts que notre chef de l'État a demandé qu'on puisse faire. Et nous remercions vraiment à ces gens qui ont eu la bonne volonté de venir soutenir notre chef de l'État afin que la révolution de la modernité soit en œuvre. Si on peut dire de la révolution en modernité et qu'on n'a pas vu de nouvelles choses, peut-être ça pourrait être du mensonge. Mais quand on dit de la révolution de la modernité, on voit des bâtiments comme des bâtiments intelligents, on voit de ponts, des hôpitaux. Nous avons vu aussi le tour de contrôle que notre chef de l'État a construit. Là, nous disons vraiment merci. Et nous voulons bien aussi collaborer avec ceux qui ont déjà eu la sagesse. Car la Bible déclare que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Si nos frères blancs, ils nous ont amené cette intelligence-là pour construire des bâtiments comme ça, et qu'ils viennent encore en masse, enfin aussi de profiter davantage de ce qui se trouve au Congo. Et ce qui se trouve au Congo, nous avons des technologies que nous disions des innovations. Ce n'est pas vraiment que quelqu'un il est savant, mais il essaie d'innover, de porter de petites corrections ou d'améliorer de sa façon selon les recommandations que nous avions eues. Alors, qu'ils viennent à Mars et qu'ils nous pour nous aider. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, car nous avons le pain que Dieu nous a donné et qu'eux aussi, les Occidentaux, viennent avec ce que Dieu les a donné. Je pense que ça sera une bonne chose pour le développement davantage au Congo. Et pour finir, est-ce que vous pouvez dire Kinshasa, le Kinshasa de demain, comment est-ce que ça sera? Est-ce qu'il y aura des transports bateaux? Est-ce qu'il y aura des trains, des métros, des avions, des hélicoptères? Ce sera comment que les gens y vont faire demain? Le Kinshasa de demain, tel que je connais par les révélations, le Kinshasa de demain pourrait devenir une paradis terrestre. Mais seulement, il y a encore un problème qui se pose. Les gens ne veulent pas de révélation. La Bible nous déclare bien que mon peuple périt faute de manque de connaissances. Mais quand il n'y a pas aussi de révélation, le peuple marche sans frein. Vous voyez ce qui se passe du dialogue. Mais les gens ne sont pas révélés. Et s'il y avait de révélation, c'est la révélation qui apporte la lumière au peuple pour ne pas intercepter ce que Dieu a préparé comme bénédiction. Je peux donner un exemple, comme notre chef de l'État disait, il veut de l'égalité des chances. L'égalité des chances, il a démontré ça à ses vice-présidents. Et quand l'égalité des chances devrait passer à ses quatre vice-présidents, plutôt, et quand l'égalité des chances devrait passer au Parlement, que les honorables puissent voter le salaire des fonctionnaires, c'est par là qu'il disait que, ah non, notre chef de l'État, il vient de l'égalité des chances. Hein. Alors, comme nous voyons, nous touchons 6 000 $, il faut qu'on donne aussi aux salariés le moins bas, 600 $. Qui sont pour, qui sont contre? Mais les gens, comme ils n'étaient pas préparés, ils croyaient peut-être que cet argent sortira de leur poche. Et comme on a suivi la majorité, nous refusons ça, nous refusons ça. Vos histoires de Baswahili, là, nous ne voulons pas. Ah, vous ne voulez pas même 5% de 6 000 $, 300 $ chacun aux fonctionnaires. Oh, nous ne voulons pas ça. Quelque chose qui était bon, mais comme ils n'étaient pas préparés, ils ont refusé. C'est par là que le premier pas du Congo était retiré vers l'arrière. Mais si ils étaient préparés par des révélations et ils avaient accepté, mais dites-moi, si depuis 2011, un fonctionnaire touchait 300 $ là, jusqu'aujourd'hui, combien de fonctionnaires auraient déjà
acheter, tout construire de maisons là à Kinshasa, par exemple, avec ces 300 dollars. Mais comme ils ont refusé, le bâton était mis, on a mis le bâton dans le roue pour ne pas l'évangile puisse marcher. Mais nous préférons que, et ce que nous demandons, qu'on accorde quand même aux gens qui ont des révélations, des données de révélations. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça qui va s'accomplir. Il y a déjà des Occidentaux qui disent, de l'opposition qui disent, le gouvernement aussi dit, mais Dieu dit quoi? Mais si ce que Dieu nous a dit soit annoncé à tout le peuple congolais, ils comprendront que le temps de la règne de Dieu a déjà commencé. Et c'est comme ça que nous voulons que le royaume de ce monde est remis à notre Dieu et à son Christ. Pendant tout ce temps-là, il n'y aura pas même le malade, M. Benoît. Quand je vous disais que Dieu nous a révélé même le produit pour restaurer le sida pendant 14 jours, nous les avons mis ici, on a essayé de le mettre dans des bouquins, dans des pots de fleurs. Il y avait l'aloe vera de nombre 24, verset 6, pour J, et il y avait les sensivers comme J, il y avait de bananes crues, il y avait de bananes crues, de cacao, par lesquels on pourrait faire des galettes sans levain pour les gens du sida. Après consommation, après 4 consommations, et 14 jours plus tard, il devrait passer au test et que Dieu allait confirmer de sa guérison. Mais tout ce produit-là, tout ce projet-là, ils sont encore mis en réserve comme on n'a pas même de soutien.